Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors tout à l'heure j'ai fait un sondage sur mon autre vidéo et on m'a reproché le fait que j'ai pas fait de sondage comme on fait d'habitude sur YouTube. Voilà, comme vous pouvez voir, la fin des sondages sur YouTube, donc c'est-à-dire qu'il paraît que les gens n'utilisaient très peu que la touche des sondages, donc voilà, ils ont retiré le truc. C'est pour ça que j'ai fait un truc un petit peu sommaire comme ça. C'était pas terrible, mais bon, passons. Sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait les mains floues. Le maître de midi de Saint-Lô, 398 441 € à son compteur. Comme il est de Saint-Lô, j'en ai fait un t-shirt. Hein, donc, si vous êtes de Saint-Lô, ça peut vous intéresser. C'est le t-shirt enfant de Saint-Lô. Donc ensuite, vous aviez au coup d'envoi la première question trop dure, d'après le titre de la plus célèbre œuvre de Baudet. Qu'est-ce qui est de mon moulin? Donc bien sûr, c'était les lettres de mon moulin. Après, vous aviez la très mignonne Christine, qui était venue avec sa fille qui était très jolie et puis qui avait très joli bas en plus. Et puis alors Christine avait un très joli décolleté. Et bon, j'ai eu pas mal de messages sur ça. Et puis en plus elle était amoureuse, quoi. Elle a eu un petit, ce qu'on appelle un crush pour Eric, l'ancien maître de midi. Mais comme elle a vu qu'il était marié, eh bien elle a été un peu déçue. Alors ensuite, quel rituel anti-âge Grace Kelly pratiquait-elle plusieurs fois par jour? Donc c'était une crème hydratante sur les mémines. Après, vous aviez le sympathique Grégory qui était venu avec sa famille et ses amis. Donc bonjour à tout le monde. Alors, oui, donc on me reproche de faire là, toujours l'accent de Marseille, mais je ne sais pas faire d'autres accents. Donc, et puis si je fais l'accent africain, on va dire que je suis raciste. Donc bon, bah, je fais l'accent de Marseille. Alors, quel type d'enseigne a vu son action s'enflammer en bourse? Bon, de toute façon, vous avez la réponse. Hein, donc c'était du prêt-à-porter. Après, vous aviez le très sympathique Thibaut qui avait une très jolie moustache et puis une très jolie petite copine. Donc, il était venu avec sa famille. Alors, à quoi le rappeur Bosch doit-il son nom d'artiste? Eh bien, c'était à son travail de précision. Quel groupe de rock anglais le général de Gaulle admirait-il? Bon, alors, bon, ça va se voir, franchement, les questions un peu faciles, parce que, bon, les Sex Pistols, je suis désolé, donc...